J'allais dire, c'est quoi cette bouée? La bouée! La bouée, la super bouée! Oui, on a décidé de tester une nouvelle bouée de compétition. Il y a un filet, il y a un dossier, elle est géante, il y a des poignées, on peut l'amarrer, il y a un fil tout autour. Et quand on en a deux, on peut même les accrocher ensemble. Mais bon, on s'est dit, on va déjà en tester une, on verra ce que ça donne. En plus, elles sont quand même assez costauds. Hein. Donc, trop hâte de tester. Non, c'est pour moi. Tout le monde. C'est pour tout le monde. Non, il n'y a que la place pour papa. Non, elle est géante, on va tous monter dessus. Oui. Bon, je ne sais pas si vous m'entendrez, mais comment vous dire qu'en fait, le brouillard qu'on voyait ce matin quand on était à l'Étartite, mais de loin, il est ici aujourd'hui. Incroyable. Est-ce que vous arrivez à voir ça? On te voit un peu quand même. Salut! On voit rien au moins. J'ai encore jamais vu autant de brume en pleine journée sur l'eau comme ça. Et puis après, je veux dire qu'on n'aperçoit rien du tout. Bon, ben du coup, on s'est calé à table parce qu'en même temps, c'était l'heure de manger. Ouais. Hein. Et on va voir si d'ici la fin du repas ou pas. Mais sinon on a un plan B. Ouais. On verra. Falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling. Falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Mais elle est vraiment trop canon. Ouais. Qui c'est qui la teste en premier? Oui, vas-y. Elle est grande, c'est là qu'on se rend compte. Bon, en plus, il y a les cordes sur le côté pour s'accrocher et tout. C'est trop cool, on peut se mettre chacun d'un côté aussi. Et il va falloir que tu nous laisses essayer, hein, pas que toi. Hein. Eh ben non, t'es coquine. Oh, je suis trop jalouse là. On aurait dû en prendre deux, Sam. Oh. Ah non. Ça va? Oui. Ah, attendez-moi. Sinon, tu me dis, hein. J'ai plus à marquer là. Bah, je m'accroche. J'ai pris une glace. Comment ça se passe? Pas grave, si on a plus pied, on est accroché à la bouée. Cool. Eh ben, on est pas mal, hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je tiens la bouée, ça va. Ah oui, toi t'es encore pied. Ah oui, ça va. Les vagues se sont calmées pour le coup. Le brouillard s'est complètement dissipé au passage. Non, c'était juste ouais, une fin de matinée qui a un petit peu duré. Mais à l'arrivée maintenant, c'est grand soleil, ciel bleu et une mer plutôt calme. Et une toupie très très cool. On est pas mal, hein. Attends, on remet le petit bob droit pour le soleil. Oh, elle est cool cette bouée. Attends, moi aussi je vais sortir mes jambes. Regarde. Oh là là. Bon bah ça tombe bien, c'est l'heure de la sieste, hein. Ouais. Quoi? L'heure de la sieste? Hein? Pas ça? Non. Tout à l'heure. T'es bien, chérie? Oui. Enfin, c'est le principal. Ah! Ah, on adore. Ça recommence. Regarde, c'est un nouveau bracelet. Je t'en pense. Un bracelet d'âne. Un bracelet d'âne. Voilà. C'est bon, bracelet d'âne, toi, maman. Bon, j'avoue, hein, j'avoue, j'aurais dû ne pas la rattraper. En fait, j'allais monter sur la bouée. C'était à deux doigts. Elle a commencé à dériver, on s'est dit on la rattrape ou pas. Maman a eu du mal à me rattraper parce qu'il n'y avait pas trop... Ouais, voilà. Du coup, j'ai failli rebrousser chemin, tu vois. Je me suis dit, bah, j'ai plus le pied, je vais pas trop risquer. J'ai su, voilà.
aussi. Mais ça y est, tu vas essayer de descendre maintenant. Ça y est. Je suis encore en fait, je l'ai lâché. Ça va les filles, Fantine? Ça va. Vous êtes mignonnes toutes les deux. Enfin, si on nomme le fait que vous nous avez piqué la bouée. Ouais. J'en connais qui vont finir à l'eau. T'as vu, c'est toujours pareil. C'est toi qui l'as gonflé, c'est on ça. L'a porté jusqu'ici, et qui c'était dessus, les enfants? Gonflé, porté, je suis pas dessus, je suis dans l'eau à la tenir. Franchement, la vie est injuste. C'est mignon, c'est l'amoureux, pas la. Non, c'est pas mignon du tout, c'est vous qui êtes sur la bouée. Et après la plage, on est revenu manger une glace. Et cette fois-ci, même Jen, elle a pris au gazpacho tellement c'est bon. Bon, par contre, il fait une chaleur. Mais je pense que ça se voit là, mais surtout. Ça se voit avec la glace de Jessie. Regardez comme ça fond trop vite. Toi, t'as pris quoi du coup? Oh, la tienne aussi. Non, mais quand je vous dis qu'il fait une chaleur de fou. Dernier petit tour pour voir si on n'a rien oublié. Ça me paraît pas mal. De ce côté-là, c'est bon. Ici aussi, ça sent la fin des vacances. Et ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est pour ça qu'on les apprécie. Et le glamping, c'est vraiment très très chouette. Ouais, je vous redonne un petit aperçu. Ah ouais, même Jessie adore. Oh, ouais, elle nous a remercié au moins 10 000 fois ce matin. C'était trop bien le camping. Vraiment. Du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui, recommencer. C'était trop génial les copines. Oui. Chou. Petit retour de course d'Espagne. Oui. Et oui, on s'est arrêté sur le chemin pour passer chercher quelques bricoles c'est avant ça. De rentrer. Oui. Du coup, je te laisse nous montrer tout ce qu'on a trouvé. C'était des chips. Oui. Alors, chèvre et oignon caramélisé. Oignon caramélisé. C'est oui. ça oui, et du coup, ça. On a pris un autre paquet, on s'est dit petite dégustation. Au jambon ibérique. Oh, c'est le premier que j'ai attrapé pour oui, tout vous dire. C'est vrai. Ça me faisait envie. Oui. Ensuite. Un chorizo. Oui, on a pensé à Josh. Et Josh particulièrement. Donc on s'est dit que c'était plutôt cool. Oh, un peu de charcuterie. Du bacon. Oh, c'est un petit bon, peu pareil. Pas vraiment, mais bon. C'est ça. Allez. Un petit peu pareil, effectivement. Du chorizo. Ouais, encore du chorizo. Du jambon. Oh là là. On va se régaler. Ça passe à la maison. Ça, c'est la petite gourmandise oui. que moi j'apprécie. Donc, je me suis dit, oh, je vais faire goûter à Jessie parce que je pense que Jessie n'a pas encore goûté ça. Non. Jen, n'a oui. pas goûté. C'est vrai. T'es prêt. Des olives. Alors, on en a pris des anchois. Nature. Et on a pris des natures. Ouais. Parce qu'on faut pour tout le monde. C'est ça. Moi, je les aime bien aux anchois. Voilà. Et parce que les filles adorent ça, Jenna particulièrement. On a repris une grosse bouteille XL de cacao lat. Pour rester un peu dans l'esprit. Ouais. Pour faire durer un peu plus les vacances. Et après, quelques produits. Oui. Ouais, ça, c'est pour Josh. Ça, c'est pour Josh. Ouais. Voilà, on lui a pris... c'est lequel? C'est le Out of Bed. Ouais. Voilà, pour les cheveux. Exactement. Nous, avec Jen, on a pris des déos. Alors, je dis avec Jen, mais en fait, j'ai choisi pour elle. Oui. Du coup, voilà, pour tester, on a pris cela. On cherchait du sans-alcool, donc on a aussi pris ça. Je vous avoue, c'est les parfums qui m'ont... J'ai vu Ylang Ylang et sur celui-ci, Tropical. Forcément. Allez, oui. Je teste. Et... C'est tout? C'est fini! Oui, on a fini! Bon, on n'a pas fait grand chose parce que non, dans l'absolu, on s'est dit l'Espagne, c'est pas très loin, donc c'est ça. Si on a besoin de quelque mieux, chose, c'est d'y aller. On n'aura qu'à y retourner. Oui, parce que nous, on a beaucoup trop aimé ça. Oui, c'était trop chouette!